Salut! Salut! Ça va? Putain, je m'attendais à tout sauf à ça! Ouais, non, la 4L, elle est pas à moi en fait. Ouais. C'est pour ça. Ouais, puis moi, non, en même temps, ça faisait un petit peu loin, mais putain, ça fait vachement longtemps que c'est bien 1h25, c'est Ouais, ça, hein? en Ah plus c'est le putain! top, c'est le pied là-dedans. Ah, putain, confort, ça va être top et tout, velours et tout! Ah ouais, non, je suis super. Là par contre, j'ai des soupapes qui claquent. Ah! Mais c'est pas grave, j'ai une autre culasse, il faut que je la change, c'est tout. Ouais, c'est quoi comme bloc dessus? Un 2 litres turbodé. 2 litres turbodé, d'accord. Ouais, elle a 411 000. Putain, bien. Ah bah tranquille. Et bah c'est top. Bon, bah voilà le monstre. Elle démarre et après elle. J'en ai pas vu. De toute façon, elle est venue comme ça, elle roulait, donc normalement il n'y a pas de raison quoi. D'avoir de fuite ou pas. Non, j'ai foutu des cartons juste en dessous au cas où, tu Ouais, vois. ouais, Alors par contre, au niveau des réglages, je sais plus où est-ce que j'en étais. J'ai dû refaire, j'ai dû remettre ouais. Ouais, mais je crois ceux qu'on d'origine. va commencer tout de suite par refaire le réglage du buteur. Ouais, Ça, au ok. moins, on va être tranquille avec ça. Ouais, ok. Bah ça tombe bien parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Ouais, bah j'ai tout ce qu'il faut. Il y en a pour long à les refaire? Ah, si on arrive à tout refaire, 2 heures maxi, on devrait avoir fini. Eh bah putain, nickel alors. Si tout va bien. Si tout va bien. Bon, alors dis-moi ce que t'as besoin. Là déjà, démarre le moteur pour voir. Alors, on démarre le moteur. Donc là, je tire le truc. Tout à l'heure, elle a démarré. Juste avant que tu arrives, je l'ai fait démarrer. Bon, là, il y a un truc qui Non, va. Tout à l'heure, elle a démarré. Ouais, c'est ça, ouais, je sais pas si c'en est une ou pas, j'ai l'impression que oui, mais. Hop, une petite boîte pour les vis Ah oui, aimantées. j'y pense jamais moi. Et ben Pourtant, c'est ça. pratique, hein. J'ai fait un système vortex sur mon filtre à air. Oh, sixième vortex, c'est-à-dire C'est un. pour économiser l'essence en fait, et pour avoir. C'est un mini turbo en fait, si vous pouvez faire. Ouais. C'est plus pour économiser l'essence que pour avoir de la pêche. Et il y avait ça sur les deux chevaux. Ah Ils ouais. appelaient ça le Turbinator. Le Terminator. Si, en plus, c'était leur nom qu'ils avaient donné. Hein. En tout, avec tout ce que j'ai fait, j'ai allumage électronique. Ouais. J'ai un aimant sur l'arrivée du gasoil. Ouais. D'ailleurs, t'as aucun filtre à essence. Non, il n'y a pas. J'en ai amené un, il n'est pas tout jeune, mais on va peut-être Ouais. le mettre, parce Ok. que ça évitera. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, moi je vais peut-être en profiter pour faire les bougies. Parce qu'au bout de plusieurs démarrages, machin, vu Elles que c'est sont trop riche ou pas, trempées. ouais, elles commencent à être trempées, ouais. On va refaire un carbu avec tout. Hein. Ah, tout est trempé. Bon bah, on va y aller à tâtons. En fait, j'ai deux bouquins. J'ai celui-là que tout le monde connaît. Ouais. J'ai ceux-là, ils sont super bien. C'est des trucs d'experts, ça. Et j'ai Alors moi plein j'en ai. de. Regarde, j'ai les carrossages et tout. Ouais C'est ouais. spécial garagiste. Hein. J'avais récupéré ça en. Moi c'est celui du dessous que j'ai. Oui, c'est ça, celui-là. Et Ouais. oui, ça, c'est celui-là qu'on trouve partout. Et ceux-là, je les ai trouvés en braderie. Ah ouais, c'est bien ça. Et du coup, bah tiens, tu vois, et du coup, je dois avoir les réglages. Non, je sais pas les réglages. Alors, admission 0,15, échappement 20. Et on a l'ordre. Voilà. Ouais, parfait. Oh bah, au moins ça c'est il Voilà. fonctionne pas, mais au moins ça sert à ça. Ça, c'est fait. 17, ok. Bon, en tout cas, je te remercie de t'être déplacé d'aussi loin, quoi. Bah non, mais du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas bricolé cette pelle. Ah oui. Parce que la mienne, elle est dans un hangar, mais parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai essayé de la revendre là, et puis j'en ai qui sont intéressés, mais voilà. C'est quoi qui bloque là? Ah, attends, il y a peut-être une vitesse de prise, non? Ah, il vient de l'enclencher, je suis con. Point mort, je vois pas où il est. Attends, vas-y, je vais le faire. Vas-y. Bon. Là, on est au maxi, donc. Elles ont du sacré jeu. Ah ouais? Et c'est la une, donc on est sur l'admission une. Alors, admission, on a dit que c'était 15. Et 20 pour l'autre. Admission. Ouh, putain, où il y a Oh, du jeu. putain, voyons. Et là, tu viens tourner ça. Celle-là, Regarde aller. elle est pas trop mal. Hop. Bah, il pourra pas dire que j'ai rien fait dessus, quoi. Ah bah c'est clair. On a fait les cylindres. On a fait le 1, le 3 et le 4. Ok, après on est à 0,15.
mon avis, on passe même pas, tu vois. 0,20. Et... un peu trop. Un petit peu. C'est pas grand chose, hein, des ouais, ouais. Trucs, mais il y en a quand même qui ont pris un peu de jeu. Là. Bon, ça, on est réglé. Et bah, nickel. Là, ils sont bien sertis, mais celui-là. C'est des trucs sertis, et ça, je sais pas comment les changer. Alors, qu'est-ce qui nous manque là sur le modèle là? Non, je pense que c'est cette pièce. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça qui vient en premier. Ouais, sauf qu'elle est pétée. Non, elle vient pas en premier, elle vient après. Sauf qu'elle est pétée. Et ben, moi, c'est comme ça que je l'ai. Enfin, qu'il était quoi. Celui-là, il était monté en premier. Du coup, il est pété. Mon héros. Donc, c'est certainement pour ça que j'avais un problème. Parce que normalement, c'était écrit qu'il faut faire 3 tours en appuyant. Voilà. Ah, bah voilà. Et moi, j'arrivais qu'à 2,5. Ouais. Mais. Ouais, enfin, c'est les réglages c'est de base. Ce qui... Voilà, c'est ce qui... Ok, on va remettre ça tout de suite. Trou, tu vois. Ah, ouais, d'accord. Par exemple, on aurait pu mettre celui-là, mais il est dégueulasse. Ouais, ouais, bon, pas... après, il aurait fallu. Puis, ouais, tu vois. Non, celui-là, c'est très bien. Ouais. Sur le mien ou sur le tien? Sur le tien. Ah, pourtant j'avais tout passé à la soufflette. Il y a une merde qui a dû remonter dedans. Hein. C'est bon pour moi. Putain, je prie pour que ça. Qu'elle roule ce soir quoi. Ouais, ouais. Non, parce que là ça commence à m'agacer, moi de une et deux, madame aussi quoi. Parce que je lui avais dit au départ, ouais, j'en ai pour 3 semaines, machin. Donc j'ai passé 3 semaines dessus. Après, il y a eu mauvais temps, donc je bossais pas dessus. Après, je suis parti une semaine chez ma mère dans le nord. Et après, pendant une semaine, je suis, oh putain, bah, il faisait pas beau. Puis j'ai pas envie de me relancer là-dessus. Puis de toute façon, j'avais pas tout ce que t'avais là. J'avais pas tous les carbus, tous les machins. Bah oui, c'est ça. Et donc, j'ai retesté début de semaine. Et puis, bah, puis voilà. Sinon, entre deux, je lui ai refait ses joints de porte à l'arrière. Parce que pour moi, de toute façon, là, c'était été, juste voilà, les roulements, les freins, la carrosserie, les machins. Elle est arrivée roulante, elle repart roulante, quoi. Bah oui, c'est et ça. Là. Quand tu vas me merdouiller, on va regarder dans l'allumage après, mais bon. Bah, l'allumage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté la tête, j'ai donné un petit coup de soufflette et de papier de verre, et puis j'ai remis, quoi. On va regarder l'étincelle, vu qu'on est deux. Bah, il faudrait que t'enlèves une bougie, remarque. Je testerai. De toute façon, soit les bougies, soit machin. Est-ce qu'on reteste comme ça ou est-ce qu'on met le filtre? Non, on va pouvoir tester comme ça. Ouais. On réglera après avec le filtre. Et tu fais les réglages carbu après avec le filtre ou sans filtre? On peut le faire sans filtre, mais en général, vaut mieux le faire avec filtre. Bah ouais, ok. Mais bon, on va faire un pré-réglage. Bon, déjà, on va voir la bougie. Quoi donc? Des câbles d'allumage au cas où. Ceux-là ils sont récents. Hein. Ouais, mais tu vois, il a bouffé un peu. Bon, c'est pas grand chose, mais parce que ça, normalement, ça devrait pas. Il devrait avoir un clip. Un truc qui le retient là. C'est pas, ça devrait pas être comme ça. Ah, mais de toute façon, il y avait plein de trucs qui allaient pas au niveau. Même son faisceau là, faisceau les tuyaux ici, je sais pas. Ouais, il faudra que tu... Avec celui-là, tu devrais gagner au moins 10-15 chevaux. Celui-là, tu le règles. Parce que eux, ils disent de. Qu'il soit tendu, mais alors il y a deux écoles. En fait, il faut que tu fasses en sorte que ça soit embuté, même si c'est un peu détendu au démarrage, c'est pas très grave puisque quand tu accélères, de toute façon, tu accélères. Ouais. Ouais, voilà. Bon. Ça c'est fait. Hop, et du coup, tu vas aller tourner quand je vais te dire, bien sûr. La batterie n'est pas non plus au top de sa forme, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas extra. Ouais. C'est pas une grosse étincelle. Hein. Remets-toi sur le. Ouais, sur ça là, c'est une masse aussi là. Ouais. Pas terrible. C'est pas violent. Ah ouais. On va ouvrir la tête de Demco, regarder les pistes platinées. Parce que les plaintes, je pense. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est que. On va tourner à la main, on va regarder l'écart. Allumage, écartement des contacts 0,40, 0,50. Il y a des bosses sur l'axe. Ah ouais, ouais, une cam, ouais. Donc il faut que tu mettes ton niveau. Il est énorme. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'il est gros, ouais. Bah, carrément, ouais. 0,40, 0,50, c'est ça? Ouais. On va mettre 0,40. Ah bah non, on est pile poil. Ah ouais. Bon, là on est bon. Starter, ok. C'est bon? C'est bon? Ah, comment tu vois ça?
À part avoir... Non, s'il doit être décalé, la tête doit être décalée un petit peu. De quoi? Les celles que t'as. Et là, normalement, quand je vais souffler, tu dois avoir bougé ici. Ouais, c'est bon, ça bouge, ouais. Voilà, ok. Donc pour résumer, on a changé ce truc-là. Non, t'as remis celui d'origine, ça. Non, ça c'est... Là, je l'ai changé. Non, mais pour là, là. Oui, bah là, finalement, oui, parce que ouais. ça vient. Donc ça, c'est bon. Et donc, là, on a changé la membrane. Voilà, la membrane. Voilà. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais normalement, je suis... C'est pour ça que c'est pas régulier. C'est-à-dire. C'est l'allumage, vas-y. Il y a du mieux là. Ouais, j'ai vu, il faut vachement le décaler en fait. Bah, au moins quand t'accélères, elle s'étouffait pas là. Ouais, ouais, et tu vois, il faut que je le mette plus par là. Et du coup, là, il revient par là. Hop. Vas-y. Ouais. C'était mieux sur la fin, non? Et ouais, c'est bien à peu près là, mais putain, il va bien vouloir le faire à un moment donné, la bordel.